Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc le plaisir d'accueillir cet après-midi Elisabeth Laville, juste à côté de moi. Donc Elisabeth, bonjour. Vous allez nous parler de consommation cet après-midi. Donc vous êtes en fait pionnière en conseil développement durable pour les entreprises. Vous avez fondé il y a 20 ans, je crois, cette année, le cabinet Utopie. Et vous venez de sortir un livre que vous avez sorti donc en fin d'année 2014 qui s'appelle « Vers une consommation heureuse ». Donc Elisabeth, nous serons accompagnées par Stéphanie Piochot, donc incroyable comestible. Stéphanie Poirot, excusez-moi. Et Sébastien Vitevert, c'est bon, j'ai juste. Graines de troc. Donc vous nous parlerez de vos actions les uns et les autres, donc plutôt localement. Et on va donc revenir vers la consommation. Elisabeth, vous attaquez à un sujet un peu tabou quand même, la consommation. Je voudrais commencer cette intervention avec la citation qui démarre votre livre, que j'aime beaucoup parce qu'elle plante vraiment le décor. « La consommation consiste pour les individus à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, afin d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. » C'est signé Clive Hamilton. Donc Elisabeth, vous nous dites qu'on vit dans une société d'hyperconsommation, on va en revenir dessus tout de suite. Ce sera très facile de le prouver parce que dans votre livre, il y a beaucoup de chiffres qui sont assez impressionnants quand même. Au bout d'un moment, on se dit « oulala, ça donne un peu le tournis ». Et vous nous dites que dans 30 ans, cette consommation, elle ne pourra plus exister. C'est pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis vous nous dites finalement, 30 ans, c'est quand même du temps aussi. Et finalement, pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas essayer de faire autre chose? Donc dans votre livre, vous nous donnez, donc vous avez pris par grand thème l'alimentation, la médecine, la santé, et vous faites un petit peu le tour de tout ce qui commence à se faire en matière d'économie circulaire. Et effectivement, nos deux acteurs locaux en sont de beaux exemples, justement. Vous nous raconterez ce que vous commencez à faire déjà quand même pour certains depuis 2-3 ans, hein, je crois. Et Sébastien un petit peu moins longtemps, mais en tout cas, voilà, de belles expériences. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi finalement vous êtes attaqué, parce qu'on dit c'est vrai que la consommation c'est quand même un peu une religion hein, chez nous. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie En fait, ce qui m'a donné envie, déjà merci de m'avoir invité, c'est ce qui m'a donné envie, et j'adore cette citation, je trouvais ça assez gonflé. En fait, c'est Guillaume, mon éditeur, qui m'a dit, moi je l'avais mise, je sais plus, à un moment dans le texte, et il m'a dit non, mais tu sais quoi, on va la mettre en exergue. Et c'est un économiste australien qui dit ça. Et oui, je trouve ça tellement juste. Enfin, c'est tellement le problème, en tout cas, que j'ai essayé de traiter dans le bouquin, que je trouvais ça gonflé de la mettre en une. Et d'ailleurs, c'est, pour l'anecdote, je suis au conseil d'administration de Nature et Découverte depuis 8 ans. Et puis, il y a eu un conseil d'administration où je suis arrivée avec le bouquin. J'avais envoyé à Antoine Lemarchand, qui est le patron de Nature et Découverte. Puis j'en avais amené pour les administrateurs. Et Antoine m'a dit « Bon, alors, tu veux qu'on vende ton bouquin ? Bon, mais alors quand même, je vais lire aux administrateurs la phrase qui en exergue. » Et on avait une petite discussion intéressante autour de ça. Bref, donc du coup, non, mais c'est vrai que c'est un peu extrême, mais ça résume bien. Ouais. Alors d'où c'est parti ? C'est parti en fait d'un... Alors moi, je m'intéresse pas mal à ces sujets de consommation dans le travail qu'on fait avec les entreprises, parce que un gros axe de ce qu'on fait, c'est d'essayer de convaincre les entreprises de transformer l'intégralité de ce qu'elles font, pas juste faire une gamme biologique équitable, certifiée, je sais pas quoi, et plus chère en général, mais vraiment de dire, il vaut mieux se donner un peu plus de temps et transformer l'intégralité de ce que vous faites. Ce que, par exemple, décider de faire Marks & Spencer, hein, c'est pas complètement une... Enfin, historiquement, c'était le lot de boîtes comme Nature et Découverte, Body Shop, etc. Mais aujourd'hui, vous avez des grands groupes, Marks & Spencer, même Starbucks aujourd'hui s'est engagé à faire 100% de café équitable dans ses cafés. Donc le nouveau standard de performance, c'est 100%, d'accord ? Et ce qui freine les entreprises souvent, c'est qu'elles disent « mais les consommateurs sont pas prêts ». Moi, j'ai la conviction inverse, et je pense que les consommateurs sont bien plus prêts que les entreprises et que les politiques. On en parlera sûrement, puisque ce type d'initiative le montre. Oui, alors ils sont prêts aussi parce que la crise est passée par là, qu'on a cherché à dépenser moins, que de toute façon on avait moins d'argent, que du coup on s'est rendu compte par exemple que le troc, l'échange, le don, le vintage, c'était sympa, ça coûtait pas cher et voire carrément rien du tout, que ça recréait du lien social. Enfin, il y a aussi ça, il y a aussi le fait qu'on a du coup une génération
de jeunes qui sont nés avec les nouvelles technologies, qui, eux, ont carrément pas de rond, puisqu'aujourd'hui, ceux qui consomment, il faut le dire, c'est plus la ménagère de moins de 50, c'est la ménagère de plus de 50, qui a du temps et de l'argent pour le faire, et que les plus jeunes n'ont pas d'argent. Et donc, comme en plus, ils sont très familiers avec les nouvelles technologies, ils excellent à tout ce qui est consommation collaborative, donc le don, le troc, l'échange, l'achat d'occasion, eBay, le bon coin, etc., le Blablacar et autres. Hein. Je rappelle que Blablacar, l'été dernier, a transporté 1,2 million de passagers, soit l'équivalent de 4000 TGV. Donc on est vraiment sur un phénomène de masse sur lequel je pense qu'il n'y a pas de point de non-retour. Je pense que les entreprises ne le voient pas encore assez et voient plutôt aujourd'hui la menace que ça représente pour leurs activités traditionnelles. Je parle des grands groupes. Mais ce phénomène-là, il est déjà là. Et le point de départ de ça, donc c'est des pourparties de travail que je fais avec les entreprises, et cette idée de leur dire il faut à un moment traiter le sujet de la consommation, parce que si on ne traite que le sujet de la production, ce qui a été fait jusqu'à présent, si on a essayé, en gros on s'est dit on ne va pas changer parce qu'on n'avait fondamentalement pas envie de changer, on y reviendra peut-être, et les entreprises ont dit bon bah on va continuer à produire la même chose mais essayer de le rendre un peu moins polluant, donc utiliser un peu moins de ressources, un peu moins d'énergie pour produire la même chose, produire un peu moins de déchets, etc., mais sans changer fondamentalement ce qu'on faisait. Donc ni ce qu'on produit, ni la façon qu'on a de le vendre. Et du coup, le problème de ces politiques-là, c'est qu'elles ont un angle mort énorme, qui est le volume de notre consommation, et le volume des stratégies commerciales des entreprises, etc. Et si on ne traite pas cet angle mort, et il y a la même chose dans les politiques publiques d'ailleurs, qui sont très focalisées sur la production verte, et pas sur le volume absolu de ce qu'on consomme, le problème que ça pose, c'est qu'on ne résout pas le problème, justement. C'est-à-dire que... Oui, comment est-ce qu'on va faire, par exemple, vous dites dans votre livre, chaque semaine, un Français a le choix entre 1250 nouveaux livres, chaque semaine, un Français, 10 nouveaux parfums, c'est vrai qu'on va avoir le temps de se parfumer autant, on a le choix de 13 nouveaux films, et on consomme en moyenne une boîte de médicaments et 1,5 kg de viande par semaine. Donc vous dites que le volume annuel de la consommation est trois fois plus élevé qu'en 1960. Donc là, on se dit, c'est pas possible, on peut pas aller au-delà. On peut pas aller au-delà, et on voit bien, de toute façon, à un moment, ça va bloquer sur des choses toutes bêtes qui sont la disponibilité des ressources. Et justement, le point sur le fait que ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui est de rendre la production moins impactante, mais sans traiter les stratégies commerciales, le fait de vouloir vendre à tout le monde de plus en plus, etc., avec les chiffres qu'on cite là, un renouvellement de l'offre qui est complètement débile et accéléré, etc., qui d'ailleurs, et ça sera un autre point peut-être sur lequel on pourra s'arrêter deux secondes, c'est qui rend pas les gens plus heureux. Parce que le fait qu'on ait multiplié par trois le volume de notre consommation depuis les années 60, si vous vous souvenez bien, l'idéal de la société de consommation des années 60, c'est que ça allait répandre le bonheur sur les masses, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne marche pas collectivement. Vous dites que ça entraîne des frustrations, finalement. C'est-à-dire les économistes montrent que le niveau de revenu et de consommation matérielle et de bonheur augmentent tous ensemble, juste dans les différents pays, jusqu'à un certain point. Et il y a un point à partir, une fois qu'en gros les besoins basiques sont couverts, vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir, de quoi habiller vos enfants, les envoyer à l'école, un toit, etc. À ce moment-là, les revenus et la consommation matérielle continuent à progresser, mais le bonheur se casse la gueule. Et il se casse la gueule pourquoi ? Parce que les économistes disent qu'on rentre dans une consommation qu'ils appellent statutaire ou ostentatoire, c'est-à-dire qu'on ne consomme plus pour répondre à nos besoins, on consomme pour se positionner dans l'échelle sociale. Et là, forcément, c'est source de malheur, parce qu'il y a tout, il y en a toujours qui ont plus que vous, il y a toujours le nouveau parfum, le nouvel iPhone, le nouveau machin qui sort que vous n'avez pas. Et donc ça, en réalité, ça engendre moins de bonheur. Donc ça, c'est collectivement et individuellement, les psychologues qui bossent là-dessus montrent très bien que les individus qui ont dans leur valeur personnelle, parce que l'éducation, parce qu'ils consomment plus de médias, notamment plus de télévision, plus de publicité, etc., qui placent la possession de biens matériels, le matérialisme, etc., très haut dans leur échelle de valeurs individuelles, sont plus malheureux, ils sont plus soumis aux addictions, et la consommation, la surconsommation est une addiction comme une autre, ils sont plus soumis aux addictions, drogue, alcool, etc., que les autres, et ils sont globalement moins heureux que ceux pour qui les valeurs matérialistes sont moins importantes, mais qui ont plus de valeurs orientées sur... moins de biens et plus de liens, hein, c'est-à-dire plus de le lien familial, le lien amical, la vie associative, etc., etc. Donc ça, c'est le truc, c'est que de toute façon, ça ne nous rend pas plus heureux. Et par ailleurs, la planète ne pourra pas tenir le rythme sur lequel on est parti. Donc, et ce que je disais tout à l'heure, si vous regardez aujourd'hui en 30 ans, alors les entreprises vous disent « mais on a fait des efforts colossaux, ça y est, le développement durable, on maîtrise, etc. » Et c'est vrai que dans les 30 dernières années, on a réduit de 30%
la quantité de ressources qu'il faut, en gros, pour produire quoi que ce soit, une unité de PIB ou de PNB. Et on voit très bien ça dans les téléphones. Hein. Les premiers téléphones portables faisaient 500 grammes, maintenant ils font moins de 100 grammes. Donc on voit bien, il faut littéralement moins de matières premières pour faire un téléphone. Les voitures, c'est pareil. Les voitures, individuellement, les voitures sont moins gourmandes et moins émettrices de CO2 qu'elles l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Mais, dans le même temps, du fait de l'explosion de la population mondiale et notamment de l'explosion du nombre de gens qui veulent consommer comme nous, du fait des stratégies commerciales des entreprises, de la croissance économique, etc., on a beau avoir réduit 30% les quantités de ressources naturelles qu'il faut pour produire un truc, quel que soit ce truc, en gros, on a augmenté de 50% notre consommation globale de ressources naturelles. Et on voit bien ça sur la téléphonie, c'est-à-dire les téléphones sont moins lourds, moins littéralement gourmands en ressources naturelles, sauf que les premiers téléphones, ils coûtaient tellement cher, ils marchaient tellement pas, qu'il y avait très peu de gens qui se les payaient. Ceux qui font moins de 100 grammes aujourd'hui, tout le monde en a, y compris dans les pays émergents, hein. On a des taux d'équipement au Brésil qui sont proches de 140%, etc. Donc comme on en a de plus en plus, du coup, on comprend bien pourquoi, même si individuellement le produit est plus performant, collectivement, on va dans le mur. Et ce rythme-là... Oui, parce qu'on pille aussi dans les ressources naturelles. On a le pic, on parle beaucoup du pic pétrole, le moment où on va avoir atteint, où la production de pétrole va commencer à décroître parce qu'on n'en a plus. Les gens qui travaillent sur cette question des ressources disent qu'il va y avoir un pic everything, sur tout, en fait. C'est juste une question d'échéance. Donc on sait, depuis un rapport qui date des années 70, hein, qui s'appelle les limites de la croissance, que c'est pas qu'on vit sur une planète finie, et que donc, par définition, une croissance infinie, à un moment, n'est pas compatible, en tout cas, tant qu'elle repose sur une consommation croissante de ressources naturelles « nouvelles », entre guillemets, et qu'on est sur des systèmes très linéaires. Vous savez que dans la nature, tous les systèmes qui fonctionnent, sinon ils s'asphyxient et ils meurent, les écosystèmes, fonctionnent sur des cycles, en fait, des modes circulaires, où les ressources... Les déchets d'une espèce servent de ressources à une autre. Et ça fonctionne que comme ça. Et quand ça ne marche plus comme ça, l'écosystème meurt parce qu'il s'asphyxie. Le seul système sur Terre qui ne respecte pas cette loi fondamentale de la nature, c'est le système industriel, qui fonctionne de manière linéaire. On prend des ressources, on produit des trucs, au passage on jette un peu, on a des rejets, émissions, etc., déchets et autres. Et au bout du compte, on a un produit dont on ne sait pas quoi foutre. Un téléphone portable aujourd'hui, alors qu'il est jeté de plus en plus rapidement et qu'on en consomme, d'où le focus là-dessus d'ailleurs dans le bouquin, on sait pas. Il n'est pas conçu pour être démonté, il n'est pas conçu pour qu'on puisse faire un nouveau téléphone en prenant des morceaux d'un ancien téléphone, etc. Donc on est là avec des millions, des milliards de téléphones obsolètes dont on ne sait pas quoi faire parce que personne n'a pensé en les concevant à ce qu'on pourrait faire une fois qu'ils ne serviraient plus à rien. Alors vous qui donnez donc ces conseils prodigieux en matière de développement durable aux entreprises, est-ce que vous pensez que, justement, donc vous disiez, les entreprises disent qu'elles font des efforts, donc de leur côté, les consommateurs font aussi des choses, hein, on a parlé donc de nos deux acteurs, on a parlé de tout ce qui peut se passer au niveau du covoiturage, etc. Est-ce qu'à un moment donné, les entreprises et les consommateurs vont se rejoindre sur ce terrain ? Je pense que les consommateurs... Enfin, mon point, c'est vraiment de dire que les consommateurs, c'est-à-dire nous et nous tous... sommes prêts, et toutes les études le montrent, hein, les entreprises ne veulent pas voir, mais les deux acteurs qui ne sont pas prêts, et dont l'engagement est nécessaire, c'est un peu le propos du bouquin, sont les entreprises et les politiques. Et j'insiste sur les politiques. Pourquoi ? Parce que, alors, personne ne veut le voir, ce truc-là, on est accro, entre guillemets, je disais, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'addiction, à la surconsommation, et on n'en parle pas, parce que les politiques ne veulent pas en parler, parce que il n'y a pas d'autre dogme aujourd'hui que celui de la croissance économique. Et pour l'anecdote, le bouquin, il est un peu fondé sur une réflexion que j'avais commencé à mener dans le cadre d'un rapport que Nathalie Kosciusko-Morizet m'avait demandé de superviser quand elle était ministre de l'écologie, qui portait sur quelle politique publique de consommation durable on peut avoir. Et le rapport disait, pour avoir une politique sur la... Il y a beaucoup de choses là-dedans. En fait, ce bouquin, c'est la version non censurée ou non politiquement, moins politiquement correcte. Du rapport qu'on a fait, et le point, il disait notamment, il faut qu'il y ait une politique dédiée sur le sujet de la consommation, c'est-à-dire qu'on reconnaisse le problème que ça pose, notre surconsommation, qu'on pose déjà le fait qu'il y a une surconsommation, que ça pose problème, que oui, ça pose des dilemmes aussi sur la question de la croissance économique, de l'emploi, etc., si on dit qu'il faut la réduire, mais c'est pas évident, parce que par exemple,
si on est sur des approches de type location, maintenance, etc., ça relocalise des emplois chez nous, ouais, au lieu de délocaliser des emplois de production ailleurs. Donc en tout cas, ça veut pas dire, je dis pas que c'est pas difficile de se poser ces questions, je dis juste que si on les pose pas, c'est sûr qu'on a un problème. Il y a une phrase de Bergson qui dit un problème bien posé est à moitié résolu. Et le point, c'est que tant qu'on pose pas ce problème-là, eh ben du coup, on est très mal barré pour le résoudre. Donc les politiques veulent pas le voir parce qu'il y a la croissance économique, il y a l'emploi, il y a l'espèce de tabou de faire l'ingérence dans la vie des gens en leur disant faut consommer moins. Les entreprises veulent pas le voir parce que leur stratégie repose sur l'augmentation infinie des ventes et si possible le plus rapidement possible. Et quand il y a une crise chez nous, on va vendre chez les Chinois, etc., etc. Et puis les individus, moi je pense, sont le plus prêts historiquement, voulaient pas trop renoncer à leur confort, etc. Mais de toute façon, la crise fait son boulot parce qu'elle les a déjà obligés à renoncer à leur confort. Mais pour vous dire quand même, juste un dernier point là-dessus, à quel point on a organisé collectivement le fait de pas voir le problème, parce que je pense que c'est vraiment, pour le coup, de l'ordre de la psychologie collective. C'est pour ça qu'il faut que le politique... Parce qu'on sort pas d'une addiction avec simplement la bonne volonté de quelques-uns. On sort d'une addiction avec la bonne volonté et la volonté d'en sortir et un accompagnement pour le faire. Et s'il n'y a pas cet accompagnement, ça va être très compliqué pour plein de gens qui ont été, de nos générations, aux générations suivantes, élevés dans ce truc de le bonheur dépend de la consommation matérielle. Même si individuellement, ils constatent que c'est pas le cas, il y a une espèce de fuite en avant. Mais donc, pour vous dire à quel point c'est organisé, on va parler de climat à la fin de l'année. Vous savez peut-être que dans le protocole de calcul qui est défini à Kyoto, qui définit comment un pays calcule ses émissions de CO2 et son impact sur le climat, il a été convenu, parce que les pays occidentaux ont mis une bonne pression sur le sujet, les pays développés, qu'on calculerait les émissions d'un pays en fonction, non pas de ce qui est consommé dans le produit, mais en fonction de ce qui est produit dans le pays. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un pays comme la France qui est en voie de désindustrialisation, parce que de manière croissante, ce qu'on y consomme n'est pas produit chez nous et que nos usines ferment, mais c'est produit ailleurs en Chine, ça nous permet d'afficher des résultats, aux pays développés en général, d'afficher des résultats corrects et de montrer du doigt la Chine en disant « Ouh, les vilains chinois sont en train de devenir les premiers émetteurs de CO2 au monde », alors que, en gros, 30% des émissions de la Chine sont liées à des choses qui sont produites là-bas pour nous et d'ailleurs souvent par nos entreprises. Et que, à l'inverse, si on corrigeait le chiffre français, on aurait en gros 40, on prend 40% dans la vue d'émissions de CO2, que moi j'appelle des omissions de CO2, qu'on oublie de compter, parce que ça nous arrange de ne pas compter. Et donc les pays développés ont organisé, enfin on va pas, c'est pas X-Files non plus, mais c'est l'être humain quand il veut pas avoir un problème, s'arrange pour pas le voir. Ont organisé ça depuis même avant le sommet de la Terre à Rio, puisque avant le sommet de la Terre, il y avait eu cette discussion entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Nord disant aux pays du Sud, bon, ça serait bien que vous arrêtiez de faire des enfants, parce que là, vous voyez, sur la planète, on va pas tenir. Les pays du Sud répondant de manière assez légitime aux pays du Nord, écoutez, le problème, ce ne sont pas les enfants, nos nombreux enfants, certes, mais qui sont très pauvres, ce sont vos quelques enfants qui sont très riches et qui consomment comme des goinfres. Et c'est pour ça qu'on va pas tenir sur la planète. Et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on allait faire, donc on s'est mis d'accord sur un espèce de consensus mou qui était bon, on ne change rien, mais on va faire en sorte qu'on produise de manière moins impactante. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et George Bush est arrivé, le père est arrivé à Rio, et a eu en tête de son speech cette autre phrase mémorable qu'on aurait pu mettre au début du bouquin aussi. Il a commencé son speech en disant « Le mode de vie américain est non négociable ». Autrement dit, on va parler d'autre chose que de la consommation des pays riches, parce que ce n'est pas de ça dont on veut parler. Voilà. Donc, et on savait bien qu'on aurait le problème le jour où tous les enfants des pays du Sud voudraient consommer comme les quelques enfants des pays du Nord, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va être obligé de traiter le problème. Ouais. Donc je reviens un petit peu à la surconsommation, là. Je pense à l'alimentation notamment. Je suis un petit peu là en ce moment, un peu grâce à vous, toutes les initiatives qu'il peut y avoir, et c'est vrai que je dirais presque tous les jours, que ce soit à la télévision, à la radio, dans les journaux, il y a des choses qui se passent quand même au niveau de attention au gaspillage. Et je pensais notamment à ce projet qui est d'enlever les dates limites d'utilisation, la DLUO fameuse sur les produits, qui fait qu'on jette beaucoup de choses. Il y a aussi le fait qu'il y a toute cette économie de produits qu'on a appelé les produits moches. Je crois que c'est Monoprix qui a lancé ça et qui fait vraiment un tabac avec ça. Vous pensez que ça peut participer, ça, justement? Je pense que la question du gaspillage alimentaire... Enfin, moi, j'ai fait les 5 focus que j'ai fait au milieu du bouquin.
c'était pas seulement parce que c'est des sujets sur lesquels il y a des solutions, parce qu'en réalité, je suis pas sûre qu'il y en ait sur tout. Et par exemple, le chapitre sur la téléphonie et l'électronique, franchement, à l'écrire, ça m'a complètement déprimée, parce que je voyais pas, en regardant les chiffres, et la façon dont les téléphones sont conçus. Et quand vous pensez qu'en Europe, on vient tout juste de faire passer une loi qui sera applicable dans 5 ans, qui impose juste aux fabricants d'utiliser les mêmes chargeurs, on en est juste aux chargeurs, et qu'on a mis 15 ans avant d'arriver à faire ça, et qu'on n'est pas encore à un stade où ça sera appliqué, donc d'ici là, on verra. Mais sur la téléphonie, c'est assez... j'ai quand même mis des initiatives qui me semblaient dans le bon sens, mais c'est quand même... Et sur les médicaments aussi. On n'est pas rendu... Ouais, alors les 5 focus, c'est ceux où les sujets me paraissaient les plus problématiques. Donc j'ai fait un focus sur l'électronique, et notamment la téléphonie, un focus sur les médicaments, où on marche sur la tête, puisqu'on a un système en France qui est très orienté sur le soin, pas orienté du tout sur la prévention, c'est-à-dire la non-consommation, qui peut être tout aussi efficace. On sait qu'il y a plein de médicaments. Moi, j'ai des clients qui travaillent sur l'arthrose. L'arthrose, 60% des médocs ne marchent pas sur les gens. Donc, on a quand même un truc un peu par... Alors qu'on sait que des approches préventives fondées sur le sport, la nutrition, etc., le mode de vie marche limite mieux, en tout cas pas plus mal, que la consommation de médicaments, et que par ailleurs, on est dans un pays où on surconsomme les médicaments, que ça génère un nombre de décès par an complètement hallucinant, qui n'est même pas suivi officiellement d'ailleurs, tellement on ne veut pas voir à nouveau, on ne pose pas le problème, comme ça on ne résout pas. Et donc, voilà, et effectivement, donc le troisième chapitre, c'est les fringues, parce que les fringues, on est dans un système complètement hallucinant où, heureusement, la crise nous en sort, mais où on arriverait à avoir 10 collections par an, les gens qui font la queue au moment des soldes pour acheter des trucs qu'ils mettront pas, même si ça se trouve. On a, les Anglais estiment qu'on a en gros 50% des fringues dans nos armoires qu'on met jamais. Et on ne doit pas être très différent des Anglais là-dessus. Et qu'on ne remet pas dans le circuit vintage, etc. Parce qu'à la limite, si on achète un truc neuf qu'on ne met jamais et qu'au bout de 6 mois, on se dit « je ne le mets pas, je vais le remettre dans le circuit, ça marche bien », mais ce n'est même pas le cas. Donc voilà, et effectivement, les deux autres focus, c'est un focus sur le gaspillage alimentaire en général, puisqu'on sait que dans le monde, en gros, entre 30 et 50% de ce qui est produit et jeté sans être consommé, produit pour l'alimentation humaine et jeté sans être consommé. Donc là, on marche, et dans nos pays, c'est, les pays développés, c'est notoirement 30, au moins 30%, dans les cantines scolaires, 40%. Ça veut dire qu'on paye des pesticides, des engrais, des gens d'ailleurs aussi, du transport, des émissions de CO2, du carburant, de l'énergie, machin, pour produire un truc qui, in fine, est foutu en l'air. Et par ailleurs, on dit, notamment dans les cantines scolaires, moi, qui est un sujet qui me préoccupe vachement, du coup, on dit, ah oui, mais on n'a pas d'argent pour acheter des produits bio, des produits locaux, ça coûte plus cher, je sais pas quoi. Et donc, et l'autre focus alimentaire que j'ai fait dans le bouquin, c'est sur la viande, et notamment la viande rouge, parce que, et pour rebondir sur mon sujet des cantines scolaires, il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de faire que les enfants mangent mieux à prix, sans augmenter le prix, parce que c'est ça l'enjeu, ils ont mangé mieux en augmentant le prix, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de rendre ça accessible au plus grand nombre et de dire on paye déjà suffisamment cher les repas des enfants, sachant d'ailleurs que 80% de ce truc-là va payer des gens qui ouvrent des sacs et pas la nourriture, mais enfin c'est autre chose. Utilisé pour la nourriture. Oui, c'est ça, et même pas pour la cuisine. Mais enfin, mais il faut bien les servir aussi, donc ça crée des emplois, pourquoi pas. Sauf que les emplois qui ouvrent des sacs sont moins probablement valorisés et valorisants pour les gens qui les occupent que s'ils cuisinaient vraiment, mais ça c'est un autre sujet. Bref, en tout cas, la seule façon de donner à manger des meilleures choses à nos enfants à prix constant, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'en gros, vous récupérez 30% de la valeur que vous pouvez remettre sur des produits locaux, des produits bio, et ce que vous voulez, et de manger moins de viande rouge, parce que c'est l'aliment qui coûte le plus cher, que de toute façon, on en mange trop, que ça nous rend malade, et que donc, si on en consomme moins, mais mieux... On peut, moi j'avais fait un projet dans l'école de ma fille avec une dizaine d'écoles à Paris, et les deux leviers pour réussir à faire ça, c'est de faire des repas végétariens. Vous introduisez déjà un ou deux repas végétariens par semaine. Il y a des pays qui ont instauré ça, il y a une journée sans viande. Oui, alors il y a des villes, afghans, ils ont instauré une journée sans viande dans tous les restos publics et privés de la ville. Même Sodexo aux États-Unis sur les campus a eu une pression des étudiants américains pour faire des Meatless Monday, donc tous les lundis dans les universités américaines, il n'y a pas de viande servie, et ça permet de mieux manger le reste du temps. Donc oui, il y a des solutions. Justement, ça me permet de rebondir les solutions dans les écoles, justement, pour essayer de mieux manger. Je crois que tous les deux, vous intervenez aussi dans les écoles. Stéphanie, vous voulez commencer donc un... Oui, bonjour. Oui, donc du coup, on a été amené à aller voir les écoles avec Sébastien et leur proposer de faire des potagers.
Donc vous, vous faites incroyable comestible. Hein. Vous avez commencé, je crois, par faire des jardinières. C'est un principe qui arrive d'Angleterre. Hein, donc en fait, oui, c'est des actions citoyennes qui viennent de Todd Morden en Angleterre. Donc de mères de famille qui avaient des jardins et qui jetaient justement la nourriture parce qu'il y en avait trop. Elles ont décidé d'ouvrir leur jardin et de mettre des panneaux, nourriture à partager, servez-vous. Donc du coup, c'était étonnant au départ, mais ça a commencé en 2008 et je crois qu'en 2011, ils sont arrivés à 83% d'autonomie alimentaire locale. C'est-à-dire que les gens ont regoûté ces légumes sans pesticides et engrais et du coup ont voulu consommer local. D'accord. Donc vous avez fait ça, vous m'avez dit, dans le quartier de Portneuf. Voilà, donc moi j'habite La Rochelle, quartier de Portneuf, en HLM. Je connaissais pas mes voisins en 4 ans que j'habitais là. Et donc j'ai commencé au pied du bâtiment, avec l'accord du gardien, à mettre des fraisiers et des fèves. Et les gens rigolaient au départ. Bon, j'ai dit tant mieux, ça lui fait rire. Et puis finalement, on a voulu un petit peu augmenter l'espace, parce que Portneuf, il y a beaucoup de pelouses vertes qui sont là en attente, où du coup on pourrait faire des potagers pour tout le monde. Donc on est allé aux HLM et là on nous a autorisé 100 mètres carrés. Donc là on a un jardin, on voit un petit peu là sur en même temps les images. On a eu donc des blettes à profusion, des tomates. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens ne sont pas habitués au gratuit, hein, donc au départ. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, alors les gens me disent, oh, ça va être saccagé, ça va être volé. Et pas du tout. On a été obligés de donner aux gens les tomates parce qu'on en avait eu beaucoup et ils n'osaient pas les prendre. Donc, en fait, on arrive un petit peu à détourner la chose. Moi, je dis aux voisins, écoutez, quand on attend l'eau chaude, autant mettre une bouteille d'eau en dessous, comme ça on va pouvoir arroser avec, vous la déposez dans le coin du jardin, ça nous servira. Donc ils ont l'impression de participer, donc du coup ils osent plus, bon là ça fait deux ans et demi, trois ans bientôt, ils osent maintenant plus, on voit qu'il y a une évolution, ils osent plus prendre, demander, et puis là du coup je connais mes voisins quoi maintenant. Donc, ça crée, ça crée du lien, c'est important ça. Donc c'est Sébastien vraiment but, ouais. Sébastien, vous avez un parcours assez atypique, hein. Je peux dire un petit peu ce que vous faisiez avant. Oui. Sébastien a travaillé dans la finance, spécialiste informatique, dans le domaine de la finance, et il était dans des banques en Suisse, hein, c'est ça. Vous avez vu, je crois, le 2008, le subprime, et vous avez eu envie de faire autre chose. Oui, je travaillais dans les subprimes, donc les pires instruments, je pense, de la finance qui, au travers de ces mécanismes-là, spéculent sur des biens essentiels. Et comme ce soir, vous allez peut-être pouvoir le voir, elle s'attaque à la nature. Donc moi, j'étais déjà un peu schizophrène à l'époque, j'avais du mal à vivre dans ce métier-là. J'ai pu un jour mettre le pied dans une AMAP, par le biais de la gourmandise en fait. Merci à la gourmandise. Merci à la gourmandise. Et je suis devenu, plutôt que consommateur, consommateur. Et je pense que voilà, c'est ça qui m'a changé aussi beaucoup, qui m'a permis de mettre un pied dans un endroit où je pouvais récupérer du sens. Ça a permis effectivement de me questionner beaucoup et de remettre en question tout un tas de... Et votre idée d'échanger les semences, alors c'est venu comment ? Alors, donc, suite à ça, on a été chez le maraîcher de notre AMAP pour l'aider. Et puis, de week-end en week-end, on a aimé cette façon de vivre, au contact de la terre. Et on s'est décidé à tout changer et à se reconvertir dans le maraîchage. Et donc on est allé se former à la ferme du Bec-et-Loin, dans l'Eure, pour faire du maraîchage en permaculture. Et on a décidé de venir sur La Rochelle pour un projet de ferme urbaine, notamment.
Donc un projet qui doit voir le jour dans les mois prochains. On espère. Donc là, vous êtes installé à Lagor en ce moment, c'est ça? Voilà. Et donc, à Paris, en chemin sur cette reconversion, j'ai proposé... j'ai voulu m'intéresser à la question des semences et proposer d'une part de partager cette passion et en même temps mes compétences informatiques et en créant un site internet d'échange de graines, en mettant au milieu un outil de la transition, une monnaie complémentaire qui permettait de faciliter grandement les échanges de graines. Donc il y a un jeton dédié aux échanges et aujourd'hui, grâce à ça, on a une plateforme extrêmement dynamique. Et autour de cette initiative, on a voulu porter des valeurs fortes, puisqu'elle s'est transformée rapidement en association. Et donc la volonté était de défendre la biodiversité cultivée, de proposer l'échange de graines et l'échange de savoir-faire associés, proposer aux gens de reproduire les semences de leur jardin et de regagner en autonomie, pour, entre autres, se passer des semences hybrides qui détruisent notre biodiversité. Au travers de cette association, se sont greffés plusieurs projets localement, en partenariat avec les Incroyables Comestibles, notamment, mais aussi avec les autres mouvements locaux, Colibri, et un certain nombre d'associations impliquées dans la transition citoyenne. On a inventé le pendant de la nourriture à partager des incroyables comestibles avec les semences à partager. Donc on a créé les Grainothèques, où la première a été mise juste à côté dans le restaurant La Petite Marche, où les gens sont invités à prendre ou à déposer les graines qui de leur jardin, de leur production, et de prendre les graines de cette boîte. Et on a invité à essaimer le concept, comme les incroyables comestibles ont essaimé aussi un peu partout dans le monde. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans le monde, mais on est déjà dans 110 lieux en France, et notamment dans les médiathèques, qui installent directement ces boîtes dans les rayons jardinage de leur établissement. Avec ce qu'on voulait, c'était faire naître des initiatives locales de réappropriation de la question de la semence. Donc on a notamment, à La Rochelle, on est en train de faire naître un petit groupe de gens qui s'intéressent à ça, mais à Brest, on a un réseau de documentalistes qui s'intéressent à cette question-là et qui promeuvent les Grainothèques dans l'ensemble de leur réseau. À Médiathèque de Lille, également, dans 10 médiathèques de Lille, on peut trouver des Grainothèques. À Toulouse, ils sont en train de prendre cette démarche-là. À Paris, ils sont en train de la faire aussi. Et en fait, on est en train de faire renaître des initiatives de réappropriation de la question des semences, donc des savoir-faire, des projections sur la question des semences, des OGM, des hybrides, et comment on peut faire au niveau citoyen pour se réapproprier ces questions-là. Donc ça bouge. Et donc, on parlait tout à l'heure des écoles. Donc tous les deux, vous intervenez dans des écoles rochelaises. Je crois qu'une vingtaine d'écoles sont concernées par vos interventions. Ouais. C'est parti d'une volonté de proposer aux enfants de conserver des semences de tomates. On est allé dans les écoles semer avec eux 200 variétés de tomates qui ont donné 1500 pieds qu'on a redistribués à tous les enfants qui souhaitaient participer à la récupération de ces graines. Ça a très bien marché, on a récupéré pas mal de petits sachets de graines que les enfants avaient patiemment récupérer après avoir goûté cette biodiversité qu'on leur avait proposée. Donc au niveau de la sensibilisation, on était extrêmement satisfaits. Et il y a eu 10 écoles qui ont participé quand même l'année dernière. Et cette idée, elle a aussi essaimé, puisqu'on a 32 villes ailleurs en France qui vont relayer ce qu'on a fait sur La Rochelle. D'accord. Et en fait, cette initiative-là dans les écoles nous a amené à proposer des jardins. Les écoles n'ont pas voulu nous laisser partir et donc... on a proposé de jardiner avec eux. On intervient dans 20 écoles de la région rochelaise pour proposer aux enfants de semer leurs petites graines, de récolter, enfin de prendre soin de leurs plantes. Oui, donc ils sont responsabilisés aussi. On les responsabilise, mais on est allé
même je dirais carrément jusqu'à la petite ferme, puisque dans certaines d'entre elles, on a même installé un poulailler. Et aujourd'hui, on va avoir la sixième ferme qui va être bientôt lancée dans les écoles rochelaises. On appelle ça ferme avec une volonté affirmée de bien que ce soit des tout petits élevages, mais voilà, on pense que mettre des fermes dans les écoles peut amener à se poser des questions sur justement l'alimentation des collectivités, des cantines scolaires, et d'amener la question de la consommation et de l'alimentation jusque dans les écoles auprès des enfants. D'accord. Et insidieusement auprès de leurs parents, bien sûr. Des enseignants. Et voilà. Vous êtes parents. Et on avait fait intervenir justement Madame Poirot à l'école de la Gore, parsemer des graines de poireaux aux par enfants. Par exemple. Et donc les maternelles qui ne voulaient pas entendre parler de poireaux, à la fin de la séance, étaient prêtes à goûter le fameux poireau jaune du Poitou, le poireau bleu solaire, ou le poireau malabar. Aussi un moyen de remettre des anciens légumes, etc., aussi un peu au bout du jour, parce qu'il y a des choses qui ont été oubliées. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur ces interventions scolaires ? Pour ma part, en tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. C'est une découverte en même temps. Tout comme le jardin, je tiens à dire qu'il y a 3 ans, je ne jardinais pas. Et que du coup, c'est une belle découverte et une belle passion. Et donc, de faire redécouvrir ça aux enfants, c'est juste merveilleux, parce que parfois, voilà, ils sont un petit peu réticents, oh, perc, le poireau, l'épinard. Puis finalement, ils en viennent à vouloir goûter, donc on voit qu'il y a une évolution, et puis ils transmettent aux frères et sœurs, aux parents. Donc il y a vraiment des messages qui passent, et je trouve que c'est très intéressant pour le monde de demain. C'est ça la consommation heureuse ? Oui, c'est exactement ça, en fait. bien sûr que c'est ça, mais on voit bien d'ailleurs dans les deux initiatives. D'abord, moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est le changement que ça amène chez les gens eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que là, juste Stéphanie, et pardon, j'ai oublié votre prénom, Sébastien, ce qu'on voit bien sur les parcours, qu'en fait, alors, c'est mêlé à leur parcours individuel, au fait que les gens s'alignent sur leur élan de vie, enfin, un truc qui a leur valeur, etc., etc. Donc déjà, je trouve ça, c'est sûr qu'on voit bien que c'est facteur d'épanouissement, plus que si le pauvre malheureux était resté chez, je sais pas qui il était, en train de travailler sur les subprimes. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on voit bien aussi que ces facteurs de lien, enfin, donc, cette histoire de moins de bien, plus de lien, on voit bien que l'engagement et leurs initiatives, ça crée du lien, c'est-à-dire que ça rapproche des gens dans des endroits, des cités qui ne se connaissent pas, ça rapproche. Moi, c'est que le projet de cantine, donc j'ai fait dans l'école de ma fille avec une dizaine d'autres écoles, on a créé un jardin potager dans le square en face où les enfants prenaient la récré. Ça a créé des liens avec des maisons de retraite, un endroit qui faisait de l'insertion. Il n'y a que des avantages. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit à quelle serait une bonne raison de ne pas le faire, ou de ne pas le généraliser, il n'y en a aucune. Et c'est vrai que ces initiatives de ferme, moi je me souviens avoir visité il y a 15 ans aux États-Unis, en Californie, à Berkeley, dans une école, un jardin assorti d'une cuisine qu'a financé une chef américaine qui s'appelle Alice Waters, qui s'appelle The Edible Schoolyard, donc l'école à manger, entre guillemets. Et ça part d'un projet pédagogique où non seulement ils ont fait un jardin, il y a des partenariats avec les agriculteurs des environs, ils réapprennent aux enfants l'origine des aliments qu'ils consomment, d'où ça vient, comment c'est cultivé, etc. Ils leur apprennent à cuisiner, donc avec l'idée que du coup ils vont apprendre à manger des fruits et légumes frais, donc ils seront en meilleure santé. C'est d'ailleurs, de manière intéressante, financé pour moitié par la fondation d'Alice Waters, cette chef, et pour moitié par l'hôpital local, qui a très vite compris que c'était dans leur intérêt d'avoir ce type de choses dans les écoles, qui depuis s'est beaucoup beaucoup répandu aux États-Unis, hein, puisque Alice Waters a beaucoup fait cette initiative-là pour la répandre ensuite. Et le truc génial, c'est qu'ils ont travaillé avec des profs sur comment le prof de géographie, dans le cours de géographie, le cours de maths, etc., pouvait s'appuyer sur ce qu'on voyait par ailleurs dans le jardin au moment où les matières étaient traitées, etc. Donc en plus d'en faire un support, pas juste un objet, j'allais dire décoratif ou à manger, mais c'est pas un supermarché, une sorte de distributeur un peu plus sympa qu'un distributeur automatique, c'est aussi un support pédagogique. Il y a des passerelles après. Un support d'activité pour les enfants, pour faire des trucs ensemble. Enfin voilà, il y a
y compris quand ils ont d'ailleurs converti le parking, parce que symboliquement c'était un parking plein de bitume, pour en refaire des terres cultivables. Enfin voilà, ça n'apporte que des bénéfices. Donc oui, c'est ça, c'est la consommation qui en elle-même est peut-être moindre au sens matériel, accumulation de choses du terme, mais qui apporte infiniment plus à l'ensemble des acteurs qui y sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui coince au niveau politique, finalement? Parce que c'est vrai qu'on entend parler de décroissance, ça fait peur, le profit, etc. Enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un truc qui coince, à mon avis, en France, mais pour des raisons culturelles, c'est qu'on n'arrive pas, et un peu planétairement, à positiver ce truc-là. Alors que quand on rencontre les acteurs, on a l'impression que c'est très positif. On a l'impression que mais typiquement, si vous prenez les acteurs les plus vocaux en France, historiquement, hein, c'est en train de changer avec Colibrio, mais sur la décroissance, proposait pas un truc très sympa, c'est-à-dire je me souviens de la décroissance sous-titrée le journal de la joie de vivre. Quand vous regardez ce qu'il y a dedans et ce qu'il anime, avec tout le respect que je leur porte par ailleurs, les gens qui écrivent là-dedans, c'est quand même pas c'est pas ce qu'on se dirait s'il n'y avait pas marqué le journal de la joie de vivre. Donc premier point. Donc du coup, alors que par exemple aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils ont un peu l'esprit plus léger, c'est des peuples plus récents, ils ont moins morflé que nous sans doute au fil des siècles, mais ça s'appelle la simplicité volontaire. Et déjà, ce truc-là, ça fait envie. Enfin, quand vous regardez les bouquins d'une dame qui s'appelle Juliette Cher, qui a écrit beaucoup sur la simplicité volontaire, ça fait envie ce qu'elle raconte. Donc, voilà. Donc, vous avez raison. La façon de présenter les choses, et au niveau politique, maintenant, institutionnel, etc., je pense qu'on a un enjeu pour sortir des alternatives et généraliser ces initiatives, ces modes de vie durables, à arriver à les positiver. Donc c'est un enjeu pour la culture française en général, positivée, mais particulièrement sur ces sujets-là, et là pour le coup c'est pareil, c'est pas limité à la France, c'est si on ne fera pas changer la majorité des gens et des entreprises en menaçant du fait que le ciel va nous tomber sur la tête. Même si on fait rien, il est probable que le ciel nous tombe sur la tête, juste ça fait pas bouger les gens. Si, pour prendre une analogie, toujours avec mon histoire d'addiction, et quasiment, j'aime bien aller regarder ce qui existe dans d'autres disciplines, parce qu'on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Quand vous prenez des gens, c'est David Serran-Schreiber qui racontait ça, c'est une expérience qui a eu en Californie, vous prenez des gens qui ont eu un triple pontage coronarien, donc des gros problèmes cardiaques, vous leur dites, ok, t'as été opéré, là, t'as survécu, mais si tu changes pas ton mode de vie, tu vas y rester. Dans 6 mois, dans 1 an, ça va recommencer, et cette fois, tu vas y rester. Donc on leur dit, il faut que tu changes la façon dont tu bouffes, ce que tu bois, t'arrêtes de boire de l'alcool, tu fasses du sport, etc. Dans 90% des cas, ils changent pas. Et pourtant, ils ont envie de vivre, et pourtant, on leur a donné les clés, et voilà. Dans 90%, ils ne changent pas, et ils meurent. Alors, quand vous faites, il y a des expériences alternatives qui disent, ok, on va prendre des gens qui ont eu ces mêmes problèmes de santé, et on les fait travailler sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire qui leur tient à cœur, durable, de temps qu'ils vont gagner s'ils changent. Et quand on fait ça, ils changent, à peu près dans des proportions inverses. Donc, si on prend, c'est tout ce qu'on a avec les thérapies cognitives, Christophe André, etc., enfin, tout ce qui marche aujourd'hui sur comment on peut faire changer les gens plus rapidement, plus en douceur, sans leur faire peur, sans faire appel aux zones antérieures du cerveau que mobilise le stress, la peur, etc. Si on arrive à faire ça au niveau public, mais du coup, ça suppose que les politiques travaillent avec des psychologues, avec des sociologues. Qu'est-ce qui marche bien sur le changement de comportement et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, à grande échelle, en douceur, sans forcer les gens, sans les prendre pour des abrutis et faire ce qu'on appelle les nudges, vous savez, où on dit on va amener les gens à avoir le bon comportement, mais sans qu'ils s'en rendent compte, en faisant appel à des espèces de trucs automatiques. Donc, alors, ça marche des fois pas mal, mais ça échoue à changer durablement le comportement parce que ça ne change pas les attitudes et les mentalités. Vous savez, les nudges, c'est par exemple... Bon, en France, c'est interdit, mais par exemple, vous supprimez la facture papier de votre sur le gaz, l'électricité, le téléphone. Et vous la donnez aux gens que s'ils la réclament. Bon, c'est ce qu'ils appellent le choix par défaut, ce qu'on voit dans les hôtels. On ne vous change plus la serviette, sauf si vous demandez à la changer. Ça, c'est un nudge, ça marche super bien, mais ça ne fait pas changer le comportement. C'est juste que ça demande un surcroît d'effort, ou le plat à la cantine, le premier plat que vous mettez, par praticité, ça marche bien, le premier plat, c'est celui qui est pris le plus. Dans les nudges, vous avez aussi ce qui est expérimenté pas mal en Hollande en ce moment sur la sécurité routière, c'est la récompense positive. Au lieu de coller des amendes aux gens, vous mettez des récompenses positives, restant à trouver, aux gens qui ont les bons comportements, qui ne prennent pas leur bagnole aux heures de pointe, qui prennent les transports en commun. Bon.
qui respectent les limitations de vitesse, il y a plein d'expériences. Ça, c'est intéressant, ça marche pas mal, mais ça reste des trucs qui supposent qu'on ne peut pas trouver une façon rationnelle de parler à des humains et les faire changer. Or, ces façons, elles existent, il faut juste que les politiques, d'abord, en aient envie, deuxièmement, comprennent que l'enjeu de tout ça, c'est quand même de créer une société où les gens sont plus heureux et qui repose moins sur la consommation matérielle, mais finalement, créer un projet de société, c'est bien ce pourquoi les politiques existent, et ce sur quoi, d'ailleurs, ils ont carence aujourd'hui dans à peu près tous les partis. Donc, il y a bien la matière à un renouveau politique. Enfin, quand on voit, c'est un peu éloigné de nous, mais ce qu'essaie de faire l'État du Bhoutan, ils font ça. Ils disent, on se donne 20 ans, on va rendre les gens plus heureux, avoir 100% d'alimentation biologique, 100% d'enfants éduqués, y compris au savoir-être et à l'estime de soi dans les écoles. Ça a l'air de rien, mais par exemple, il y a des expériences sur les drogues, l'alcool, etc., qui montrent que si vous éduquez les enfants pour qu'ils aient une meilleure estime d'eux-mêmes et un meilleur lien avec les autres, ils tombent moins dans toutes les addictions que l'on peut imaginer. Donc c'est pas en faisant forcément venir des flics qui leur disent « Tu sais, si tu consommes de la drogue, c'est mal, tu vas aller en prison. » Ça, ça marche un peu, mais d'abord sur les ados, ça marche carrément des fois pas du tout, à l'inverse. Donc il y a des stratégies alternatives. Le truc, c'est qu'il faut un courage politique pour les mettre en place parce qu'il faut d'abord poser les problèmes qu'on veut résoudre. Et très vite, poser aussi je pense que c'est juste, manque de vision, manque de courage. C'est compliqué pour les politiques et pour les chefs d'entreprise de dire « je fais ça parce que mon objectif, il est dans 15 ans, parce que vraisemblablement, dans 15 ans ou 20 ans, quand ça portera ses fruits, ils seront plus là. » Donc c'est les suivants. Eux, ils vont en gros se taper. Et c'est pas faux, hein, politiquement, qu'il faut du courage pour ça. Ils vont taper toutes les emmerdes de mettre en place les sujets, les plans au début. Et les retombées positives, ils les verront pas. Et quand ça arrivera, plus personne se souviendra que c'est eux qui l'ont mis en... Les stratégies de prévention, c'est ça. Ça marche à 20 ans, mais au début... C'est vachement fastidieux à mettre en œuvre. Et les politiques n'ont pas souvent le courage qu'avait eu, par exemple, il y a quelques années, un garçon qui était maire de la station de ski des Gets. Il a dit « Il faut arrêter ce règne des bagnoles dans les stations de ski. Donc on va faire déjà une station écologique et pour ça, on va interdire le centre-ville aux bagnoles. » Et ça, c'était dans son programme initial. Et il a dit « Comme ça va être impopulaire, je vais me faire élire là-dessus, mais je ne me représenterai pas. » Parce que je sais qu'il y aura une majorité de gens qui ne voudront pas revoter pour moi, parce que les commerçants ne vont pas être contents, etc. Et donc il s'est fait élire une première fois, et il avait annoncé tout de suite qu'il ne se représenterait pas, qu'il ferait un seul mandat, qu'il allait essayer de pousser un max les choses qu'il voulait pousser. Donc il a interdit le station ski, le centre-ville aux voitures, les commerçants dans son bureau qui hurlaient, tout ça. Il n'a pas été réélu, et le truc a au moins perduré. Donc c'est vrai que c'est compliqué, cette question de comment je prends en compte le moyen terme quand votre échéance personnelle, politique, de mandat dans une entreprise, PDG, machin, elle est sur du court terme. Ouais. De fait, c'est compliqué. Il y en a un qui réussit bien, c'est le maire de Grenoble, je crois, lui. Hein, par exemple, non, mais je pense qu'il y a plein d'exemples dans le monde. Le maire de Curitiba, que j'ai la chance de connaître, qui a été 5 fois maire de Curitiba, 3 fois gouverneur de l'État du Paraná, il dit « lancez les projets, lancez les imparfaits, c'est pas grave, les imperfections, c'est des opportunités pour la population de se les approprier, de les modifier ». Enfin, il y a plein d'approches, il y a plein de gens qui ont fait des trucs qui marchent, en plus. Oui, c'est sûr. Vous vous sentez soutenu, vous, justement, dans vos projets? Est-ce que vous sentez que les élus ou les gens adhèrent vraiment à vos projets? Oui, sur la Rochelle, c'est vrai qu'on a l'accès au CERF municipal. Mm-hmm. Donc on peut aller chercher de la terre, ce qu'on a besoin. Et puis, du coup, on a des autorisations aussi pour occuper l'espace public, pour mettre des jardinières. Donc, vous ne sentez pas seul au monde, quoi. C'est... Non. Il y a du monde derrière, puis les gens commencent un peu à réagir positivement, c'est ça, hein? Oui, ça avance. Mm-hmm. Tout doucement, mais ça avance. Sébastien, pareil? Je pense que ça pourrait être beaucoup plus franc que ça, c'est sûr. Et oui, on nous aide, mais ça reste marginal par rapport aux besoins qu'on peut avoir et par rapport à la demande des gens. Enfin, quand on voit la demande des écoles, nous on ne fait qu'essayer d'y répondre, on a bien du mal. Et la demande des populations, moi, je pense qu'elle est très forte, partout. On a des initiatives qui naissent d'absolument partout. On ne peut pas suivre tout ce qui naît, c'est impossible. Et là, je pense qu'il y a 10 000 opportunités pour les politiques qui veulent essayer de changer un système dont plus personne ne veut. Enfin, je pense qu'il
faut soit laisser la place, soit être à l'écoute de toutes ces initiatives qui n'ont qu'une envie, c'est d'essayer de se préserver un environnement pour demain, puisque effectivement, on va pas pouvoir continuer comme ça. Et le combien de temps il nous reste, je pense que on est proche du zéro. Donc, on n'est pas, si on reste pas optimiste pour essayer de faire tous ensemble quelque chose de vivable, et c'est, on a cette opportunité là, tous entre nos mains aujourd'hui, de trouver, je pense, là beaucoup de bonheur et de réalisation et de dans nos actions de tous les jours. C'est comment on va faire pour vivre tout ça. On va être tous chamboulés, mais faisons-le quelque part. Et partageons nos expériences, je crois que c'est ça. Merci, on va passer la parole au public, hein. Je crois qu'il va y avoir quelques questions, n'hésitez pas. Merci en tout cas à tous les trois, et je pense que vous allez avoir moyen de vous exprimer.